Le prince Andrew et Sarah Ferguson pourraient se remarier, selon une source proche des York. Des initiés proches du prince Andrew et de son ex-femme Sarah Ferguson, tous deux âgés de 61 ans, affirment que le couple cohabitant pourrait se remarier. S'adressant à Vanity Fair, un initié a révélé que le couple proche vivait côte à côte pendant la pandémie et s'aimait toujours beaucoup. La source a déclaré, Sarah et Andrew ont été plus proches que jamais au cours de la dernière année. Ils s'aiment et se soucient toujours beaucoup l'un de l'autre et ont vécu ensemble pendant la pandémie, a ajouté la source. Cela a ravivé quelque chose et je peux voir un deuxième mariage se produire si tout va dans le sens d'Andrew. Le duc des York et Fergie se sont d'abord mariés à l'abbaye de Westminster en 1986. Le couple a ensuite eu deux filles, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie, avant de se séparer en 1992. Ils divorcent officiellement en 1996, Fergie a déclaré mercredi à un journal polonais que peu importe quoi, le jour de son mariage en 1986 était l'un des meilleurs jours de sa vie. Elle a dit, le divorce est une chose, mais mon cœur et mon serment, mon obligation. Mais la duchesse des York a été poussée ces derniers temps à dévoiler les détails de sa relation avec son ancien mari. S'adressant à Camilla Tomaine du Télégraphe à propos de la perspective d'un remariage, Fergie a déclaré, tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes satisfaits de la façon dont nous sommes en ce moment. Nous disons toujours que nous sommes le couple divorcé le plus satisfait au monde, a ajouté l'homme de 61 ans. Nous sommes divorcés l'un de l'autre, pas l'un de l'autre, nous sommes des coparents qui se soutiennent mutuellement et croient que la famille est tout. Je suis fière du travail que nous avons accompli ensemble pour élever nos enfants et maintenir une unité familiale solide. Nos mots d'ordre sont la communication, le compromis et la compassion. Malgré les 25 années écoulées depuis leur divorce, le duc et la duchesse des York vivent ensemble depuis un certain temps. Le couple vit ensemble dans une propriété de 30 chambres classées grade 2 au Royal Lodge. En 2015, Sarah Ferguson a déclaré, Andrew et moi, nous sommes le couple divorcé le plus heureux au monde, extraordinaire, vraiment, n'est-ce pas? Nous vivons dans la même maison, mais c'est une grande maison, donc ça va, mais je pense que c'est vraiment bien que nous croyons au compromis, à la communication et à la compassion. Et à la famille.